Ça fait un bon moment qu'on ne voyait plus Anaconda sur le plateau de People et Mic. Les habitués de l'émission qui se posaient des questions sur son absence n'ont pas manqué de faire réagir l'émission qui a eu à le contacter en direct. Et Anaconda a affirmé être présent mais n'a pas donné plus d'informations. Mais une triste nouvelle vient de tomber ce samedi 6. Le célèbre chroniqueur Anaconda est décédé. La nouvelle fait beaucoup réagir internet actuellement et de nombreux influenceurs connus font des posts en disant des condoléances. La chaîne La 3 où se passe l'émission People et Mic a fait un post pour annoncer la nouvelle et semble serait-il qu'il aurait rendu l'âme à Paris. Je cite, la direction générale de la RTI a le regret de vous annoncer le décès d'Adama Diallo, dit Anaconda, chroniqueur à l'émission People et Mic sur la 3, décès survenu le vendredi 5 janvier 2024 à Paris. La direction générale présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, aux téléspectateurs et à tout le personnel. Tel était les propos de la 3. Et concernant les circonstances de sa mort, selon le magazine Life, il serait décédé des causes de problèmes de cœur et a été envoyé en France, précisément à Paris, pour se faire soigner, et c'est là que Anaconda a perdu la vie. Donc, vraiment, condoléances à la famille et au chroniqueur.